Salut les gens, c'est X-Rouge et on se retrouve pour la vidéo d'un des deux jeux PSN Plus qui est sorti le premier mois de la sortie de la PS4. Il s'agit de Resogun, donc du coup sorti le 29 novembre 2013. Il est toujours disponible en achat gratuit sur le PSN Plus. C'est un shoot 'em up, un style de Blast Factor-like. On se rappelle bien sûr de ce petit vaisseau qui était dans les jeux en téléchargement, le tout premier jeu en téléchargement sur le PSN, sur PlayStation 3, ça sortit en 2007, le fameux Blast Factor. Ben là, voilà, on repart un petit peu dans ce système-là. Donc, pour cette vidéo, du coup, je vais vous faire une petite partie. Non, allez, on va dire les deux premiers niveaux du jeu. Débutant, expérimenté, vétéran, expérimenté, voilà, je me mets au milieu, manière de ne pas taper la honte à le faire en quoi c'était, en débutant, oui, parce que je l'ai déjà fini en débutant et je ne l'ai pas fait en autre truc. Donc du coup, voilà, vous avez différents petits vaisseaux, bon, je vais prendre celui qui est là d'habitude, c'est celui qui est par défaut. Le jeu, bon, ben, tout simple, vous aurez uniquement les 4 touches, comme vous le voyez, les 4 touches à l'arrière de la manette, pour pouvoir vous défendre, et on se déplace avec le joystick gauche, on tire avec le joystick droit. Je rappelle à tout le monde que cette vidéo est faite pour consolefun.fr, et sans plus attendre, vous allez voir. Comme vous avez pu entendre, vous avez entendu Save the Last Human, c'est la manette carrément, c'est la DualShock 4 qui me le dit. Et quand vous entendez justement ce fameux Keeper's Detective, ça veut dire qu'il y a un petit habitant à sauver et à aller mettre directement en lieu sûr. Ça vous fait gagner divers atouts. Au fur et à mesure du jeu, vous pourrez gagner des avantages pour vos armes. Vous allez pouvoir friser les adversaires. Bon, là, j'ai mon petit, justement, bonus. Qu'est-ce que c'est? Merci, DualShock 4. Elle me dit, voilà, Weapon Power Up. Donc, du coup, l'amélioration. Vous voyez que la cadence de tir est nettement améliorée. C'est un jeu donc qui se joue de façon circulaire, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment, vraiment sympa. Bon, ok. Il y a un Keeper's Detective, ok, mais ok, donc du coup, pour sauver le petit humain, il faut que je pète les vaisseaux que vous avez vus entourés de verre en fait, et donc du coup, ça car c'était eux en fait qui allaient normalement aller le tuer dans sa petite caisse, voilà, ils veulent tuer les petits humains, et moi les humains sont des multiplicateurs pour les points finales. Voilà, du coup, vite, faut que j'aille le péter, c'est bon, allez, ça a sauvé le petit humain qui est là-bas. Je te prends, hop là! Allez les gars, allez les gars! Oh purée, il y a un vaisseau là, il est chaud! Bouffon ça! Voilà, magnifique! Alors, du coup, avec la touche R2, j'ai des bombes. Bon, du coup, je le ferai pendant la partie. Puis, j'ai. Allez! Hop là, voilà, je sauve mon petit humain. Cassez-vous! Barrez-vous de là! Ok, c'est bon. Du coup, ouais, j'ai les bombes qui vont péter ben, absolument quasiment toute la carte. Et ensuite j'ai une espèce de gros rayon de la mort que je peux activer avec la touche L2. L1 il me semble, oui, L1. L1 c'est, je crois. Enfin bref, je verrai au moment venu. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, principe assez simple, esquiver parce que voilà, vous n'avez qu'une seule vie. Un Keeper's Detective. Ok. Avec l'accent s'il vous plaît. Hop là, cassez-vous là. Voilà. Ce qui est bien, c'est que même si notre vaisseau pointe vers l'avant, ben, je peux tirer à l'arrière. C'est cool. Il ne suffit pas que votre vaisseau soit juste à peine touché pour crever. Il faut vraiment que vous voyez le point vert qui est au milieu. Ça reprend les bons vieux shoot 'em up que l'on a connus dans l'ancien temps. Il faut que le missile adverse touche le point vert qui est au milieu de mon petit vaisseau, en fait. Voilà. Si des humains ne sont pas sauvés à temps, il y a des soucoupes qui vont les kidnapper en fait. Voilà. J'ai perdu un humain, je sais pas pourquoi. Ok, bon, ben, là je vais faire la bombe. Hop là, vous pouvez le voir, c'est assez impressionnant. Du coup, allez, casse-toi toi. Donc, bombe faite. Ça, on dirait de la petite XP. Ah oui, quand on fonce dedans, quand on fonce dans les adversaires, eh bien, on peut faire une grosse série et tous les péter. Enfin, c'est un bonus, c'est quoi? L'arme améliorée, ouais! Attention, je suis un badass! Magnifique. Ah, il y a le petit humain qui a été pété là-bas. Vite, 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 vite. Alors, toi, un petit fonçage, tout, tout. Magnifique. Casse-toi de là. Toi, viens ici. Magnifique. C'est, je dois vous accorder que pour un shoot 'em up, c'est super chaud de commenter la vidéo en même temps.
Bon bah allez, allez, va pour la bombe. Blech. Allez, magnifique. Oui, donc voilà, Resogun, tout comme Killzone, sont pour l'instant les deux seuls jeux de la PS4 qui occupent la voice-over de la DualShock 4. Oh, allez, là, je vais foncer dedans, je vais me faire plaisir. Clac, clac, clac. Voilà. Magnifique. L'un des trophées, d'ailleurs, de Resogun est de péter 50 ennemis en faisant une méga propulsion. Voilà, dans le jargon de Resogun, on appelle ça la méga propulsion. Touche L1 pour le faire, voilà, et donc du coup, touche L2, ça prouve bien que c'est le gros rayon de la mort. Clac, 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 clac. Magnifique, j'adore ça. C'est très lumineux, hein, du coup, c'est le premier jeu qui peut nous déclencher une bonne crise d'épilepsie. Je déconne, bien entendu. Enfin, quoique, hein, les épileptiques, je pense que oui, ce serait même le jeu le plus approprié. Parce que quand on voit ça, là... Oh, un Keeper's Detected. Merde, putain, en plus, ils veulent tous m'éclater. Clac, 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 clac. Save mon human. Hop là, bougez de là. Grosse araignée, casse-toi. C'est magnifique. Il est où mon petit bonhomme? Il est là. Hop, je te récupère. Et hop, je t'envoie. Oui, on peut jeter les humains avec la touche L2. Oui, si on va pas dans le faisceau, on peut carrément le jeter. Oui, si on est bloqué. Faut pas que lui-même, bien sûr, touche un petit alien. Parce que sinon, bah il crève le pauvre. Bon, le boss, il est où là? Bon, normalement, voilà, une fois qu'on a sauvé les 10 humains, vous avez un multiplicateur jusqu'à 10 pour votre partie. Une fois qu'on a sauvé tous les humains, bah, le boss est censé arriver. Et il est plutôt chaud, ce putain de boss. Enfin, surtout dans le mode normal, en fait. Parce que dans le mode facile, il est plutôt sympa. Plutôt cool à faire. Mais dans le mode expérimenté, moi, c'est le boss numéro 2, là, que j'ai un petit peu peur, là. Parce que il est vachement, vachement chaud. D'ailleurs, ne vous attendez pas à ce que je gagne cette partie, hein, dans cette vidéo test. Je sais que je vais me coûter le niveau 2 en mode normal, mais j'y arrive pas. Donc, du coup, c'est vraiment... Vous verrez le truc, quoi. Oh putain, c'est un petit peu chaud pour ma gueule. Hop là, magnifique. Qui c'est? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que tu veux? Hop là, bah. Magnifique. Ouais, je m'emporte, désolé, mais bon. C'est un jeu bourré d'adrénaline. Bon, vous me faites chier, bonbon, voilà. Ouais, de toute façon, j'espère que je vais en récupérer. Ah bah, je pense que... Voilà, le boss est en train de se former, il est là-bas. Alors, le boss, il faut péter 3 entrées, puis après le noyau qui est à l'intérieur, et il faut se faufiler dans le truc, dans le petit... dans le cœur du machin, quoi. J'ai pété le premier, j'ai pété le second, je pète le troisième. Ok, c'est bon. Là, je peux rentrer dans le machin et péter le bouclier. Voilà, ici. Alors là, il faut pas que je me fasse prendre par les trucs à ses armes. Voilà, tout en ne touchant pas le petit faisceau rouge. Sans toucher aussi même les extrémités, on touche l'extrémité du vaisseau, on est mort. Clac dans ta gueule, allez pète. Oh merde, et en plus il bouge. Allez, 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 je t'éclate. Oui, c'est bon, premier niveau fait. Power Gallon, magnifique. Bon, mais niveau 1 fait, ça va, en plus je suis pas mort une seule fois, d'habitude je crève. Grosse chance, voilà. Heureusement que ça tombe pour ma vidéo test, ça me fait passer pour un semblant de professionnel. Who cares? On n'a rien à battre. Du coup, bon voilà, j'ai mon multiplicateur, j'ai fait 1 000 000, c'est un score merdique apparemment, d'après ce que je vois, hein, dans les ranks. Je sais que tout le monde déjà voit, enfin, faut la course, je sais que le premier mondial est à plus de 600 millions, enfin, c'est un truc de malade, quoi. Allez, go pour saver The Last Human. Donc voilà, à chaque fois que j'entends bien sûr la manette me dire Keeper's Detected, il faut vraiment que j'aille voir... On va voir ce que ça montre, quoi. Voilà, bah c'est tant mieux. Ah bah, encore un Keeper's Detected. Bon, mais alors, je vais devoir vite péter cela. Voilà. Oh putain, j'ai pas de bombe. J'ai pas... Blèche dans ta gueule. Vous êtes où, là, les petits monstres, là? Il est où, le petit gars bleu? Le petit gars bleu, parce qu'il y en a deux, en plus, à sauver. Alors... Oh, bordel de merde. Human in danger, non, voilà, je te sauve, moi. Oh là là, bordel, c'est génial, quoi. Ouais, voilà, parce que je savais, vous voyez, il y avait un Keeper's Detected, et les aliens ont fini leur petit parcours sans que je puisse les péter, donc du coup, ben, l'humain est mort, quoi. C'est super chiant. Mon overdrive est chargé, donc ce qui veut dire que je peux foncer dans les ennemis. Un Keeper's Detected.
Oh là bah, oh, c'est bâtard ça tout ça. C'est bâtard tout ce qui arrive là. Vous pouvez pas vous barrer là, par contre. Voilà. Magnifique. Donc du coup, il est où le petit humain? J'arrive. Magnifique. Hop là. J'adore les petits vols qu'ils prennent, tu peux quand on les jette avec L2 là. Ça c'est sympathique. Après bon voilà, comme je vous ai dit, c'est un Blast Factor like. Après il y a que les vraiment les gros amateurs de shoot 'em up, Space Invader et autres pour ne citer que les plus connus, qui vont vraiment apprécier le jeu quoi, vraiment hein, dans sa totalité. Le jeu comptait deux bonnes heures quand même, même s'il n'a que 4 niveaux à ma connaissance, je crois 4 ou 5. C'est qu'ils sont vraiment tellement longs et en plus on monte la difficulté, plus ils sont longs quoi. Donc du coup, vous en aurez pour votre argent, et ça tombe bien que je parle d'argent parce que comme je vous ai dit, il est gratuit. Putain, je me suis encore fait péter. Un Keeper's Detective, merde, il est où? Ils sont où? Ah, ils sont là-bas. Hop là, vous voyez, il faut que je les empêche de faire leur petit parcours là, pour aller sauver mon human. Mon petit human. Allez, hop là, t'es là. Et attention, je te jette. C'est mortel les petits vols qu'ils font. Alors, mon bonus, qu'est-ce que je vais avoir? Je tire comme ça. Ok, c'est bon. J'ai mon weapon power up, c'est parfait. J'ai dû avoir une extra life, non? Parce que crever 3 fois, je suis pas encore là. À moins que la vie 0 compte. Je sais pas combien on a de vie. Je n'arrive pas à le voir encore sur l'écran. Lui-même a été libéré de là-bas. Va falloir que je me dépêche. Cassez-vous. Barrez-vous. Barrez-toi de là. Hop, là, je récupère mon humain. Qu'est-ce qu'il y a, mec? Hop, là, c'est bon. J'ai sauvé l'humain. Et je crois que je suis mort. Eh ouais, je suis mort. Putain, c'est ouf. Bon. Ah, c'est chiant. Donc du coup j'avais 4 vies. Normalement on peut récupérer des extra life quand on fait des bons scores, des bonnes séries. On peut arriver jusqu'à un multiplicateur de 5 avant qu'il se stagne. Et ensuite un multiplicateur de 10 à débloquer. C'est d'ailleurs même un objectif du jeu. D'accord, j'ai compris, merci. Donc du coup voilà, vous voyez le jeu par vous-même, je ne vous explique pas grand chose. Après vous aurez divers ennemis, des ennemis qui carrément rebondissent sur tout le jeu, donc du coup il va falloir vraiment regarder comment vous les pétez. Un Keeper's Detective, bim, je pète tout ça et je sauve mon humain. Et l'humain il est là-bas, c'est génial. Bouge de là, casse-toi. Oh merde, encore un Keeper's. Clac clac clac, voilà c'est fait. Bougez-vous de là. Voilà, dans ta gueule. Quoi? Mais non! C'est pas du jeu ça! Ah, ça y est, j'ai encore mon super power! Allez, allez, allez! Oh, là je suis meilleur là! Tu m'étonnes! Bah, tu m'étonnes! Keeper's Detective encore! Hein. Voilà, je sauve les petits! J'ai sauvé mon humain! Ah, ça y est, il se fait transporter, vous voyez? Parce que j'ai mis un petit peu de temps à le sauver quoi! Hop! Toi t'es là, je t'ai sauvé! Clac, tu te barres! Il est où l'humain à sauver? Ah, il était là-bas en fait! J'y suis allé un peu pour rien. Enfin, j'ai dû faire le contour pour rien. C'est bon, on va y arriver. Bon, je pense que voilà, j'arriverai pas à la fin. Mais bon, comme je vous ai dit, vous voyez le jeu par vous-même. Mais c'est bâtard ce qu'il me faut là. Il se divise en deux là. Il est où l'humain? Il est là-bas. Il est là le petit. Ça fait un petit peu le bonhomme, un petit peu à la The Last Guy. Encore un jeu du PSN qui était sorti sur PlayStation 3. Je sais pas si vous connaissez, c'était un jeu qui mettait en application Google Earth en fait, et on se déplaçait dans plusieurs villes du coup, qui étaient représentées réellement quoi. Et il fallait passer dans les rues pour sauver des petits gars, des aliens, et ils étaient cachés dans les divers bâtiments. C'est plutôt sympa. Enfin voilà. Donc comme je vous ai dit, voilà, Resogun c'est un bon jeu sympa, bourré d'adrénaline. Et puis voilà, si vous êtes épileptique, faites attention à ce jeu. Ça peut être drôle quand je le dis, mais franchement c'est sérieux, je trouve qu'il n'y a jamais eu autant de flash dans un jeu que celui-là. C'est abusé, en plus avec la musique qui va derrière, le fond électro, etc. Oh, j'ai un bonus! C'est quoi? Un weapon power up. C'est très bien, mais bon, je sais pas du tout ce que ça me donne encore. Ouais, ça a l'air de me faire plutôt mal. Eh bien écoutez, sur ce, je pense que je vais vous laisser là, parce que je suis pas encore arrivé, parce que le niveau 2 est vachement long en mode normal. J'espère pour ma part et pour la vôtre aussi que la démo vous aura plu, vous aurez pu voir de quoi est capable ce petit jeu PSN Plus, complètement gratuit. Comme je vous le rappelle, hein, il suffit d'être abonné au PS Plus pour jouer en ligne. Et donc j'ai fait un truc ultra badass là par contre. Comme vous serez connecté, vous aurez vos jeux gratuits quoi, voilà. Sur ce, écoutez, je vous dis donc portez-vous bien et je vous dis à la prochaine pour une autre de mes vidéos. Sur ce, à ciao tout le monde !